I just got me sticks. The four gates. When someone attacks on high, you block. You dip down. You hit his arm underneath. But you're protecting yourself because he's going to punch or kick or whatever with the other hand. And that's what you're worried about. So what he does, you block. When you block, you can actually stab instead. As well, with whichever, so do that, but you're not finished because you want to fucking waste this motherfucker. So you hit his head, you arm bar him, you throw him on the ground, and you hit the fucking shit out of him.
let me know what you think and what you remember. It's so easy. It's like dancing, especially when we have music like this shit going on. That's the video. And I don't know if you remember this coffee shop where the monkey sleeps, that's owned by a bunch of ex-heroin addicts in Glasgow. Et maintenant, un peu de bière, la Stella. Steak New York, il faut filer. Bon, ma bière, j'écoute la musique. Bon, j'utilise que des produits organiques, mais qui c'était pas cher. Si c'est cher, je l'achète pas. Des jolies tomates. C'est préparé que avec des trucs. Que soit été pas emboîté, machin, etc. Avec plusieurs herbes. Même, c'est une sauce originale, c'est pas italien. J'ai mis du citron vert, du vin rouge, la papera. Je vais mettre un peu de bière aussi. C'est plutôt, moi je dirais, la cuisine méditerranéenne. Mais je crois qu'il va rester lorsque tu es là avec des bonnes potes, pourquoi pas. Hein. Tu manges encore des pâtes, j'espère, là, pour t'aider, là. Thank you.
t'en souviens peut-être. Ces couteaux, hein. Voilà. Les quatre portails. Les quatre portails en mouvement. C'est toujours un carré. Je fais un bas du carré. Je croise vers le haut. Et je termine horizontalement mon carré. Et là, voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend de base au début. Ensuite, et après, on improvise. And then you, boom, tu les claques la tête avec un coup de pied. Oh. Et comme dans le calé, on travaille les couteaux avec les deux mains. Et tu vois que je pointe vers le centre. Je suis pas sur le centre, ça tu peux faire comme exercice. C'est très bien. Et après, tu fais comme tu sais, c'est le cœur qui guide les mains. Mais tu peux aussi couper comme ça. Tu peux même. Va à l'intérieur à son cou. Tu peux aller sur les deux côtés du cou et voilà, tu tires sa gorge et en fonçant tu la mâches. Après, bien sûr, si tu viens, comme, look ça. Moi, je le fais comme ça pour des gens qui mettent le mérite. Voilà, tu vois, j'ai les mêmes. Zambre, le bonsaï au milieu, le dagger qui va avec, il va pas comme ça, il va pas comme ça, il va pas en bas, il reste en ligne. Le bonsaï n'est jamais plus haut que le cou. Voilà, et tu peux vérifier profondeur que tu as le bon bonsaï. Okay. Moi, je passe aussi avec le cali et les couteaux, les bâtons et les couteaux. Je passe à jouer avec calmement. Tu l'as, il est en bas, je l'ai déjà coupé plusieurs fois avec toi, mais tu, il faut le tuer, tu n'as pas le choix, parce que si tu le laisses vivre, il va essayer de te tuer aussi. Ou tricamade. Okay?
Oh. It's up. No one knows what it's like to be the bad man. To be the bad man. Behind the lies. Ce sont des exemples. Ça serait bien que tu montres ça à tes camarades. Je veux dire, tes camarades qui sont des potes, uniquement des potes qui le méritent. Je sais qu'ils ont tous appris le combat et je suis certain qu'ils sont accomplis. Mais, pour un vrai Wing Chun Man qui a complété le système, c'est pas le cas. Oh yeah, Mom said to cut. Ton grand-père. That's Alex. That's for Alex. I don't know.
And now, we're outside. So, I've done the video that's the syllabus for advanced students to complete the system. Anyway, it'll be on the flash drive along with this. Yeah. Because I'm just where the monkey slept. Alors je bois des bières aujourd'hui parce que j'ai besoin de mettre un peu de du gras pour me faire descendre. Et lorsque je chie, j'ai tous, j'ai le dos tout droit et je suis relaxé et j'étais et j'aime bien exhaler lorsque je monte avec la tête qui tu vois avec la puissance, le pouvoir qui va vers le ciel avec le menton un peu en bas et après je fais l'exercice comme ça. J'en ai plusieurs. J'essaierai de faire un vidéo de ces mouvements. You want to say something, Alex? I'm recording. So angry. And I have it scheduled. There's no problem with that. I'll go. It's not like I'm going to refuse. I'm on my medication.
I don't remember the date. It's like next month or something. I'm not going to schedule an emergency visit or anything like that. I have my regular 3-month visits. That's it. Well, that's his problem. I know, I'm here too. I get your problem, it's not mine. Who are they? Mother. If I didn't live in this house, you wouldn't even know. You'd have no idea. That's why I said, if it continues the way you react and treat me as a child, I will have to move out. It's as simple as that. It's the only way I'll have peace of mind and not being badgered all the time about all the things I do. And then, quite frankly, I don't care. You'll still be my emergency contact numbers. Now, do I have to move out or not? That's the question. And if I do, by when? Because I don't have the finances to do it right away. I want to move out. Isn't that a question? I want to move out. Please. I get no respect in this house. I treat people with respect. I don't give them shit about their behavior. I don't psychoanalyze them. I do not psychoanalyze people like you and Jack. You are not experts in the psychiatric field. Then why did you bring it up? I'm sorry, I didn't. Yeah, I am too. I will not bring it up again. All right. Good. Cut that out of this presentation.